les spectateurs, je suis Reine d'Assada. 5 de Pique revient aujourd'hui sur l'apport de César Jmaïl, artiste né en 1898 à Ain El Toufa, près de Bekfeya. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la peinture libanaise moderne, aux côtés de Youssef Houayik, Daoud Korm, Omar Ounsi, Salih Badouahi et Mustapha Farrour. César Jmaïl abandonne ses études de médecine pour se consacrer à la peinture, instruit par son maître Khalil Salibi. Ce dernier avait son atelier face à l'université américaine. Il entre un jour à la pharmacie Youssef Jmaïl. Le jeune César dessine le portrait de l'illustre client. On remet à Salibi son médicament et le portrait. Il félicite l'adolescent et l'invite à visiter son atelier. Le lendemain, l'artiste en herbe s'y rend. Fort de cet apprentissage, Jmaïl fréquente ensuite l'Académie Julian à Paris. Son passage en France éveille en lui un romantisme et une sensualité qui se manifestent dans ses nus. Bien qu'il ait commencé par une approche classique, Jmaïl évolue dans un style plus fauviste, avec des coups de pinceau sauvages et des couleurs stridentes. De retour au Liban en 1930, le peintre s'impose comme l'une des figures de proue de la communauté artistique libanaise. À l'époque, l'intérêt pour l'art est croissant, facilité par des philanthropes tels qu'Alfred Sursok, Henri Pharaon ou Camille Eddé. Jmaïl enseigne à l'Académie libanaise des beaux-arts, l'ALBA, dès sa création en 1937. Il voyage la même année en Russie, puis il entreprend une série de séjours en Italie, Espagne, Angleterre, Scandinavie. Ses thèmes, le nu féminin, les paysages, les danses, sont le produit de sa soif pour la vie et pour la peinture. Le Liban demeure son inspiration principale. Jmaïl est un artiste prolifique, conservateur tout au long de sa carrière et contrairement à certains de ses pairs, il évite l'exploration de nouveaux mouvements tels que le cubisme. 5 de Pique décrypte pour vous la toile Les Trois Grâces. Ce tableau présente trois divinités de la mythologie grecque antique, dites les Grâces, à l'origine divinités de la nature, considérées par la suite comme des déesses romaines représentant l'allégresse, l'abondance et la splendeur. Raphaël, Rubens, Niki de Saint-Phal ont notamment traité ce sujet. La composition de Jmaïl dévoile la nymphe au milieu du tableau, vue de face, celle de gauche de profil droit, celle de droite présente son profil gauche, de sorte que le spectateur puisse voir une seule et même figure sous ses séduisants aspects. La mythologie sert en quelque sorte ici de prétexte à représenter en trois poses gracieuses des jeunes femmes dans un verger. L'artiste participe et partage son sentiment très personnel de leur beauté, le type de beauté jeune et frais. Ces nus dégagent une sensualité remarquable. Le contraste entre la blancheur des corps et la générosité des couleurs du jardin traduit une expression séduisante et presque trop parfaite de la splendeur. Cette œuvre incarne la vie dans toute sa plénitude. Beauté, créativité, séduction, nature, des thèmes si chers au cœur de l'artiste. L'art de César Jmaïl nous ouvre la porte d'un monde secret où l'harmonie des lignes et de la composition côtoie les plus beaux portraits des jolies femmes ainsi que des nus. L'artiste est représenté sur un timbre-poste libanais émis en 1974 en reconnaissance de son travail. Retrouvez-moi la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de Pique, une coproduction de la Fondation Rab et de Télé-Liban. Sans changer le monde, l'art contribue à changer le regard que nous portons sur lui.